Bonjour à tous et bienvenue au lancement virtuel du livre « Je vibre au tempo de ». Mon nom est Mélanie Poirier et je suis éditrice pour les éditions MP Trésor. Afin que cet événement soit grandiose, merci de partager à tous vos contacts. Je vous souhaite un très bon lancement. Bonjour, je suis Thérèse Duvieux-Sart, j'habite à Longueuil. J'ai répondu en fait à un appel d'offres des éditions MP Trésor. Je ne savais pas encore ce qu'on allait m'envoyer. Alors, ils m'ont envoyé un vidéo du groupe Matchbox 20 Degrees et une œuvre de Louis Champagne. J'ai regardé le vidéo, écouté le vidéo de nombreuses fois, puis en regardant l'œuvre, qui était un petit peu à deux tableaux, un très gai et l'autre très sinistre. Donc, mon poème s'appelle « Vivre » et je l'ai écrit comme je l'entendais, parce que j'écris beaucoup avec la musique. Pour moi, c'est la musique des mots, j'entends les mots chantés. Imagine la fraîcheur de l'enfance, la nullité de l'absence. Entre les deux, la vie. Imagine l'amour d'une naissance, l'éternité de la mort. Entre les deux, la vie. Imagine l'exubérance de l'adolescence, l'éclatement de tous les sens. Est-ce cela la vie? Imagine le bonheur ici-bas et au-delà. Est-ce cela la vie? Imagine de la fraîcheur de l'enfance à la nudité de l'absence. Entre les deux, la vie. Je m'appelle Louise Champagne, je vis à Beauceville et je suis artiste peintre depuis plusieurs années, plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon œuvre Rayon X, une acrylique et technique mixte, qui va être présentée avec la musique Disease de Matchbox 20. Alors la création, elle a été faite de quelle façon? Ben, c'est un petit peu comme dans le contexte d'aujourd'hui, mais c'était à titre individuel. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, mon fils a eu un cancer et cette toile-là, elle a été créée à la rémission de mon fils. Donc, j'avais le goût d'extérioriser les émotions que j'avais ressenties. Sur l'œuvre, on retrouve un nid qui représente la famille, la cage thoracique avec la zone rouillée, ça c'était la tumeur. Ensuite, j'ai le corbeau qui est souvent un oiseau de malheur. Mais on a à la droite de l'œuvre, on retrouve du lierre, ce qui veut dire qu'il y a de l'espoir. Alors, tout comme aujourd'hui, en temps de COVID-19, oui, il y a de l'espoir. Oui, on peut s'encourager parce qu'il y a toujours une fin à une zone, une période négative. Alors, bonne fin de journée. Comment faire pour vous procurer ce magnifique bijou littéraire intitulé « Je vibre au tempo de » qui contient 208 pages en couleur et de haute qualité, qui réunit le talent de 90 créateurs? Eh bien, c'est très simple. Vous n'avez qu'à vous diriger sur le site des éditions MP Trésor ou à venir faire une visite à la galerie MP Trésor située à Durham-Sud, au centre du Québec. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days. But I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever